Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto, les gars. Alors, ça concernera les réglages. Et oui, la première chose qu'on va faire, c'est la touche que je vais vous faire voir. Tout le monde, vraiment, déjà, je vous fais voir juste après. C'est vraiment un truc. Hein. Alors, voilà, toucher pour fouiller, interagir. Mettez oui, les gars. Il est écrit, regardez, permet d'appuyer brièvement pour fouiller ou interagir au lieu de devoir maintenir. Ça vous va, les gars? D'abord, vous prenez ça. Après, les touches. C'est surtout celle-là. C'est surtout ça. Le multiplicateur, surtout, les gars. Vous mettez 50 et 66. 50 et 66. Pour là, c'est 6 et 7. 7 et 6. Alors, les gars, mettez ça et vous verrez que vous serez devenu un super bon joueur, parce que les joueurs PC n'ont pas besoin de mais on va y mettre ça quand même, mais vraiment, et les joueurs PC, ils ont beaucoup plus d'avantages sur nous. Alors c'est pour ça que je vous montre ça. On va continuer par qu'est-ce que je pourrais vous faire voir déjà. Bon les gars, on se retrouve pour la troisième partie. Le tuto. Aujourd'hui, ce sera le tuto, les gars, où on va vous apprendre, que je vais vous apprendre à ranger les armes, déjà. J'ai même pas d'air. Voilà. Avoir le rayon de rafale. David. Bah, je vais aux pompes, les gars. De manière à son temps. Je vais me terminer tout là. Tire aux pompes. Tant pis. Le mec, il venait tout de là. Voilà comment on s'occupe d'un mec. On le tue. Mais vraiment facilement, lui. On est comme en lui. Oh non, la balle. C'est un gros bambi, ce mec. Il n'y a plus de balles lui aussi. Ah, il n'y a même pas de balles à air. Oh, il n'y avait pas de kit. Tout n'a pas été fouillé parce que là, je suis mort, les gars. J'ai été fouillé. Et il y a un kit, j'espère, dedans. Je
en plus, ça construit pas. Des fois. Hein. En plus, il y en avait un autre. Bon, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième et dernière partie du tuto. Ce sera un tuto de construction, les amis. On va le faire sur une surface plate qui est là. C'est bon. Alors, la première chose que je vous conseille de faire vraiment pour les escaliers, c'est ceci. Vous prenez les deux barres, les deux carrés en face. Et ça vous fait cela. Qui est la rapidité pour les joueurs PS4. Bon, je sais pas qui a compris. Voilà. Oh, il y a eu bon. What? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Voilà. La deuxième chose que je vous conseille de faire quand vraiment c'est un peu dur, c'est ceci. Voilà. Je vais vous faire voir avec ça là. Bien sûr. Voilà. Voilà. Voilà, je vais le faire d'un autre côté parce que sinon on va pas pouvoir rentrer. Voilà, comme ça. Ok. Ok. Ça aussi qui est les amis. Hop. Qui vous permet, là c'est pas d'armes, mais qui vous permet de vous cacher de deux côtés comme ça. Au moins ça vous permet. Hop, je vais fermer ça. Comme ça, si vous êtes attaqué d'un ce côté, bam bam. Si vous faites d'attaquer de ce côté dans la même tour, bam bam. Vous pouvez one shotter de tous les côtés. Bon, nous passons aussi à l'autre utilisation que vous pouvez faire avec cet objet. Se faire un petit abri, et ouais, on peut faire un petit abri comme ça. Regardez, si vous voulez, je fais l'abri. Hein. Voilà, vous voyez, vous êtes bien caché. J'ai des murs en plus. Voilà, regardez, là, j'ai perdu tout le bois possible. Alors, je vais reprendre un peu le bois. Voilà. Après, l'utilisation vraiment que vous vraiment plus. Presque, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent le faire, même moi je ne savais pas très bien le faire avant, je l'assurais. C'est les escaliers, le pire ennemi. Alors voici, si vous avez une base géante, voilà, comme ça, voilà, c'est pas vraiment rapide. Et qu'il y a un mec sous, vous avez une pompe, voilà, vous préparez. Mais vu que vous ne savez pas modifier, regardez la vidéo. Bug, c'est là qu'il n'a pas modifié. Alors, on va. Merci pour pas le bug. Vous allez prendre les barres que vous voulez, hein, vraiment. Vous prenez là, là, voilà. Vous choisissez de côté que vous voulez ou là. Mais regardez, vous prenez les trois barres, vous maintenez. Pour en prendre un, deux, en suivant. Et voilà, regardez, si vous faites ça. Bam, bam. Ça va avancer. Vous pouvez le modifier de tous les côtés, hein, voilà. Je vais vous faire ça aussi. Voilà, comme ça. Le mec est là, voilà. On lui dit bonjour, salut, tu vous faites ça, 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 si vous voulez, coucou, voilà. Après avec les portes, vraiment, je vous conseille. C'est un truc, c'est vraiment faire un petit truc marrant, les gars, ça va l'embrouiller. Et voilà, c'est un petit truc que j'ai fait, mais ça m'en fout. C'est vraiment de l'embrouiller, c'est faire ça. Hop, vous créez plein de portes, vous créez une base de portes. Voilà. Hop, il sait pas où aller. Pas d'abord. Donc vous prenez un peu la logique de la grosse batteuse. Hier. Hop. Alors, construction. On continue en même temps, je prends des armes quand même. Hein. Alors, on continue la game. Alors, voilà. Après, je pense que je vous ai tout fait voir. Ah non, 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 je ne vous ai pas tout fait voir. Alors, nous allons modifier. Si vous voulez modifier vraiment, faites ça. Ok. Quel côté vous voulez, mais. Comme ça. Vraiment, faites ça. Vous voulez modifier, faites ça. Vous préparez, vous faites ça, vous faites. Attends. Le mec, vous êtes là. Vous voulez vraiment sortir. Dites, ah, oh, je suis coincé.
Voilà. En fait, ça, et là, en plus, ça passe bien avec ça, les amis. Comment je dis les enfants, parce que vraiment, il y a plein d'enfants sur ma chaîne. Bon, les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, parce que c'était la dernière partie du tuto. Elle sortira mercredi. Enfin, elle sortira mercredi. Qu'est-ce que je réponds? Vous ne savez pas encore. Mais, vraiment, je vais faire des vidéos toute la semaine, les gars. C'est promis, je vais cracher. Voilà, notre escalier magnifique. Bon, je pense que ça vous aura. Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va concerner pour comment réussir tous ces kills et presque jamais se faire tuer. Bah, si, se faire tuer, mais vous comprenez, voilà. Ça veut dire que vous pourrez, comme pour ceux-là qui savent pas très bien kill, qui quand ils tirent, ils font pas vraiment grand-chose. Par contre, les gars, je suis désolé pour les gros bugs, mais c'est pas de ma faute, hein. Je bug. Alors, je vais vous conseiller des petites choses. Sans tomber, bien sûr. Bon. Attends là les gars. Voilà les gars, voilà, la rafale peut être très efficace contre certains mecs gros bambinos. Toujours bouger, ok les gars. Oh non, ah, par contre il y a deux kits, toujours bouger. Voilà. Donc moi je joue sur PS4 les gars pour vous faire. Oh putain, je bug à mort. Mais t'as pas de kill. Oh. Oh, oh putain, oh, les gars, je bug à mort pour vous dire. Wouh wouh. A l'aide. Oh MDR.